D'accord. Les premières règles que je vais montrer, ils sont les règles des sommes, différences et les multiples constants. Donc, on va commencer avec les règles des sommes. Et ça s'écrit comme ça. C'est la fonction f d'x. Si la fonction f d'x égale à u plus a, le dérivatif f prime d'x égale à u prime plus a prime. Donc, dans un exemple, on dirait que pour une fonction f d'x égale à 2x plus on dit que le dérivatif c'est f prime d'x 2 plus 0. Et ça, c'est juste. Et donc, après ça, c'est la même chose pour les différences. Donc, c'est f d'x égale u minus a. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh. Désolé, désolé, il y a un petit problème avec la caméra, mais je vais l'aider avec ça. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment terrible, c'est très vaste de voir ça, je suis désolé, mais on continue. Donc, f prime d'x égale u prime minus a prime. Oh mon Dieu, pas encore, désolé, désolé, désolé. D'accord. Et donc, c'est presque la même chose avec un exemple simple, mais f d'x égale 2x minus 3. Le dérivatif f prime d'x égale 2 minus 0. Donc, f d'x égale encore 2. Et c'est la des différences. Après ça, on a la règle des multiples constants. C'est celui-ci. Et donc, on a déjà l'utilisé dans les autres problèmes. Ah, mais je vais l'expliquer maintenant. Et donc, ça, c'est pour quand il existe les constants devant une variable. La dérivative de cette fonction, c'est simplement le constant. Donc, si on a f d'x égale. Oh mon Dieu!